Bon les gars, je vous fais un petit topo, on va tout simplement attaquer Rami. Sur Rami, on a un pick-up armé, donc on va le neutraliser et sans l'emparer. Charlie s'occupera de prendre position sur le véhicule. Et après l'assaut sur Rami, on fera route sur le sud pour attaquer le port. Le port, on n'a aucune information sur les lieux, car on n'a aucun visuel, donc c'est un lieu inconnu pour nous pour le moment. Il y a déjà les copains devant là. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Charlie, attendez. On me suit. J'ai un doute, mais sans plus tard, je suis en train de surveiller le port et pas Rami. La vérité. Putain, les mecs. Halt. Bravo, bien pris, mais je bougeais sur l'est pour contourner le rocher depuis la droite, à vous. Bon bah du coup, Dramac, on va se déployer sur ta droite. Confusion, on part sur Rabi ou on part sur le port? Je sais plus ce que je vois. Sur le port, faut aller vers le port maintenant. Ok, on part sur le port, bon, vers sud-est. On passe sur la droite. Ok. Mec, un quart d'heure pour faire un plan quoi. Bon allez, on part sur le port parce que là il est pas qu'un jour. On prend rien. On défonçait trois gendarmes. On fonce sur le port et on tire sur... Il y a une construction en bois là sur ton avant, Dramac. Alors maintenant je suis totalement perdu, je sais pas où est-ce qu'on va. T'as qu'à nous suivre. Construction en bois sur ton avant gauche là, proche. Donc on va suivre, bravo. Port en visu. Contact. Ok, halt. On a du contact. Bravo, c'est arrêté, on a visuel sur le port, on a 4 contacts sur le port, on a alerté. Et déployez-vous, on va traiter les cibles qui sont visibles. Ouais, c'est pas évident en pente comme ça là. Sweden, tu pourrais les engager là? Ouais, je pourrais. D'accord. On va attendre l'ordre. Prêt? Tenez-vous prêt. Contact mon petit bunker à l'entrée. Tu as un petit bunker toi? Ah oui, il y a un petit bunker effectivement. Et il y a quoi sur le port là? Rien? Non, il y a rien. On a. T'as pas trouvé? Au niveau des véhicules, on a deux véhicules en armée. Il y a un contact immobile entre deux véhicules. Et il y a un bunker aussi. Hein. Armée, et là on a deux gendarmes avec 4 tangos qui tournent. Ouais, non mais. Tu veux que je passe une roquette dans le bunker? Fermatif, si tu l'as en visuel, tu peux envoyer une OG 7V, ouais. Non, non, j'ai pas le choix, y a pas le choix là. Tu te crois chez où là? Fois, tu te crois chez RHS? T'as quoi comme roquette en tout? J'ai qu'une roquette, c'est une roquette. Alors, Rocher là qui est pas mal si j'aime bien. Ouais, ok. La gaspille pas. Une fois qu'on j'en ai plusieurs, j'en ai 4. Hein. Ah, bah dans ce cas là, ouais, tu peux. Y'a encore des bâtiments sur la droite là qu'on a pas de visu dessus. Azimut, plein sud. Ouais, c'est le petit. Je vois pas trop mal d'où je suis là, mais. Rien? On voit rien bouger. Balance la roquette. Ok, à ton signal. Bravo, balance un civil 150 mètres en bas. Roquette sur le bunker, bah, afin de déminer les cibles. Ah, il y a un civil devant le bunker. Ah, c'est reçu, bravo. Il y a des pirates. Un soldat devant le bunker. Attends, je t'entends pas, il y a la radio. Un soldat? Ah, oui, ils sont pas trop, ils sont deux devant le bunker. C'est des gendarmes. On va sur le rocher là si jamais. Ça va être une bonne opportunité, ils vont passer devant le bunker. Ça va. Faire feu, une bonne opportunité. Idem pour Alpha. Allez, go, ok, top action. Feu. Ah putain, je suis tellement sourd. Fimi 160. Tous regroupement, on part sur la route.
Ah putain, ça y est, ça arrête de siffler. Putain, stratégie brouillon quoi, vraiment. Ah écoute hein. Ah, rien arrive. Compris. Wow, c'est quoi ça? C'est sexy les filles. Kranak. C'est ennemi, c'est ennemi, c'est ennemi. Non, c'est Ami. C'est Ami ça. Vous venez de flinguer un ami là, je crois. Ouais. C'est pas un ami. Ici. Si, vous venez de flinguer un ami là. Je vais aller vérifier. Ils viennent de l'ouest. Ouais, on était juste à côté de vous en fait. Je vais vérifier. C'est un ennemi. C'est un allié ça, c'est pas un gendarme, il a pas une gueule de gendarme. Mais le mec il est habillé en armure militaire. Ah, ce soir c'est l'effet Tanoa ce soir ou quoi? Il s'est fait plomber la gueule, c'était qui? Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais depuis quand il vient vers l'ouest? On vient du nord? Ouais, je voyais Snake Chic qui arrive. Mais on vient du nord, bordel! Pourquoi il vient de l'ouest? On comprend rien! C'est n'importe quoi, putain! Il va y avoir du débrief pour l'instant. Putain, on vient du nord, merde! On vient du nord! C'est focus. Pas tué. Hein? En formation, si vous avez de la place, il y a une satchel dans son sac. C'est le démo. Et qui? Le démo, c'était le. Doudou. Tu es quelqu'un qui s'appelle Doudou. Il s'est tellement fait plomber, Doudou. Moi, je le voyais arriver tranquille. Je le voyais arriver tranquille, je savais que c'était un joueur. Tu m'étonnes, il était imprévisible sa destination, quoi. Bah, il venait de l'ouest avec Snake. Mais il venait de l'ouest, on vient du nord. C'est ça qui est imprévisible. Snake, il venait de l'autre côté de la route, il était du côté droit de la route. Puis là, je voyais que c'était Doudou, quoi. Je sais pas ce qu'ils foutaient là-bas après, hein. Je sais pas le commandement. Hein. L'ouest? Mais normalement, ils sont pas censés être sur l'est, récupérer le véhicule sur Rami. Y a pas de véhicule sur Rami, ils sont plantés, ils ont spoté port depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Depuis tout à l'heure, ils ont spoté port, c'est pour ça qu'on a fait bifurcation vers le port. Oh, y a rien sur Rami, y'a que dalle. C'est une calamité quoi. Entre moi qui confond port et à Hippota et... Ah ouais, mais c'est horrible quoi, on est sur un mètre carré d'île, c'est une nouvelle île et tout le monde est paumé quoi. Oh là, mon dieu. Ah ok, c'est ok. Bravo, bonne sortie. Je suis super à l'intérieur. Contact civil à 200 mètres devant. Je range pas bien. Hey, Mug, si tu veux qu'on surveille les flancs tout en étant en forêt, il faut que t'ailles tout droit. Donc, ça va essayer encore. Bravo, on a un civil proche de la route, non armé. Attention, la route à gauche, c'est par là où vient généralement le pick-up de la gendarmerie. Le Bravo, attention, après, sur l'intersection, on m'informe que le véhicule de la gendarmerie est sa... Ah, pas toute la gauche, c'est sa route de trajectoire. Tu te mets en visu, tu couvres la route à gauche. Si jamais il y a quelqu'un qui traverse, tu... Ouais, on se pose ici. Ok, je me mets sur la route à l'ouest. Alpha Bravo, donc sur 355, on laisse la route pour l'instant. Vu qu'on a le véhicule, tu me diras. Avec les mitrailleuses. Non, bouge. Véhicule qui arrive par le sud, apparemment. Bon, on se reconcentre, dans la forêt. Ouais. Le sud, c'est derrière traité. Ouais, c'est l'ouest plutôt. Ah, si c'est aussi le traite. Très bien joué, on continue en ce moment. Commence. Oui, il y a un bunker là. Avec un mec en faction. En position principale. Bunker, homme en faction, 240, 150 mètres. Ouais, vu. D'accord, Alpha. Oui. Obtenir visu, c'est ta mission. Bravo, j'ai un homme en faction dans un bunker sur le parti extrémité nord de Hippota, prêt à traiter. Ok, c'est reçu, on attend que Alpha soit en place et prêt pour son observation. Pour l'instant, tu gardes. Parfait, tu gardes un œil sur le bunker. Pataplouf, tu me ziotes un peu le nord et à coup, tu te concentres sur la route. Laquelle des routes? Mais tout, tu te démerdes. Merci, tu viens nous dire bonjour. Le plus important c'est le nord quoi. Ok. En fait on a la route au nord qui c'est la route principale qui nous mène au complexe étolier. Est-ce que je peux ramper un peu sur le nord-ouest là?
Ouais, ouais, tu peux, mais fais gaffe, on a un bunker ouais. Donc. Bah, je retourne en arrière et je rentre. Je sais pas d'où ça vient. De Alpha, apparemment, quelqu'un s'est fait repérer. On a moyen de taper. Ça va de... Moi, oui. Ouais, tout le monde va bien ici. Je crois que ça venait du nord-est, mais je confirme pas. Ça, c'est ami, hein, le véhicule. Bravo, tu as fait menace. Mais les pros, tu te traces en tirano ? Ouais. En gros, c'est le bunker qui nous a engagé, on l'a traité. C'est le civil, juste enfoiré. Zone dégagée. Zone dégagée. Merci, bravo. Bravo, bravo. Oui. Oui. Ok. Bah, tu peux commencer le mouvement aussi vers Hippota, tu mènes l'assaut. C'est bien pris. Et on essaie de passer. Les rouges passent devant, on suit les rouges jusqu'à l'ouest et on bouge vers les premiers bâtiments qu'on peut avoir. Si, hostile repéré à son. Limite le bunker, on peut s'appuyer dessus. T'es pas, je suis en droit. Et la gauche, ça. Ah, je crois que c'était le véhicule qui tirait sur. Vas-y, j'avance. Puis on bouge, on va sur les barrières en. Il y a les copains sur l'avant là. On suit. Ok, allez, vas-y, je vais cours. Je vous laisse bridger, on va vers le grand. Attention, il y a une ouverture là. Je vais ouvrir à gauche. Ok, vas-y. Ok, clear, je rentre. Entre à droite. T'as plouf. Ok, véhicule civil. Tu te. On va se mettre au bunker. Bah, c'était un américain dans le bunker là. Ok, j'ai rien. Je vais avec le coup. J'ai rien du tout. La voiture Charlie, tu démotorises et tu rejoins moi. Je peux pas, ah putain, on revolait à la con. Viens avec les filles, je suis devant le truc. Ah la vache, on avait une tour. Bah t'as plouf. Ouais. Charge. J'avais un château d'eau pour observer. Il est pas marqué sur le jeu. Mais... Je vais ouvrir la maison à droite là. Ouais, ok, je te couvre. J'entre. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. RAS, on est dans la maison. Et je viens dedans. La maison en parpaing là. Du coup, ta mission c'est de t'assurer que rien ne sort. Ouais, je sais pas s'il y a quelqu'un dans la maison sur l'ouest là. Ouais, ok. Ouais, mais si il est autour, j'ai pas envie d'être. Bon. Quand on allait checker la maison là à l'ouest. Attention, on a les amis qui arrivent. Patapou, tu te mets au niveau du. Je vais entrer. Voilà, les copains vont le faire, ils sont déjà de l'autre côté. Normalement, c'est clair, mais je te couvre, vas-y. Vous faites le dernier bâtiment. Parfait. Oh putain, ça me fait peur quoi. Je t'ai dit, à coup. Dernier ouais. Bâtiment, ouais. Okay. Rejoins le bunker, extrémité nord. S'il y a un véhicule qui arrive, c'est pour toi. Ok, messieurs, on se regroupe tous au niveau du. De l'hélico et on embarque et on dégage tout ça. On va à l'hélicoptère. Oui, copain, oui. copain, toujours copain. Bon. Bravo, tu restes en surveillance nord pour l'instant. Bravo, bien pris en surveillance nord. La vieille. Ouais, je t'écoute. Apparemment, c'est Sweden qui pilote parce qu'il a déjà fait du deltaplane dans sa vie. Ça vous inspire la confiance, vous. Il n'y a pas d'essence dans le véhicule. Moi pas. Il n'y a pas d'essence dans le véhicule apparemment. Il y a peut-être de l'essence dans les voitures. Ça c'est cool. Il va falloir siphonner. Il nous faut un jerrycan pour ça, non? Alors on a nos joues. Ouais, ok, bah dans ce cas. Elles contiennent combien tes joues? Okay, 50 centilitres. Sans avaler, hein.
C'est pas par là. C'est pas par là. Pourquoi on passe par là? Je les ai entendus au sud-est là. Ils sont là-haut, ils sont là-haut. Non, reste. Fais demi-tour, mauvais chemin. Je les ai, ils sont en reste là. Attends, je crois qu'ils nous ont perdu, bravo là. Bon bah colle-toi à eux alors. Ah c'est bon, je t'ai retrouvé à coup. Ouais. Ils sont passés juste devant là. Ok. Ils sont là-bas. Oh finalement tous les chemins mènent à Rome. Ouais, j'avais peur quand je voyais la crête, j'avais peur qu'on pouvait plus remonter en fait. A priori ça serait une barrière vers là, c'est bon. Ok. Les couvertures sud-est les gars. On a pas tardé à breacher, Darnac, c'est l'ouverture, elle est sur notre nord directement à nous. Oui, j'ai vu. Bon... Tac, bon bah on va y aller quand on aura le top de la vieille. La vieille est en top. Mais nous on peut pas. Ouais, on est pas censé le couvrir. Sweden, Veldrid, vous restez sur le rocher, on s'installe là-bas. Ouais, passez sur leur gauche, je crois. Ouais, c'est un peu chaud. Okay. Ah, mes oreilles. Et les gars, on se déploie bien et on couvre bien le sud-est. Lipro, on va rentrer dans la première case qui vient. Oui. Go! Hélico on approche sud-est. Bravo Hélico, on approche sud-est. On y va, go. Sudan, c'est l'engin. Allez-y, allez-y. Tatlouf, avance au niveau de la brèche où Alpha est pénétré. Ah son Little Bird ça non. Des Américains en Little Bird, ils vont être déposés sur zone. Pas loin. Vas-y, pas ta foute devant. Putain, et tu ouvres la brèche. Rouge, vous suivez. On ouais. Suit tout simplement Alpha. Ok. Putain, je crois qu'il y avait au moins 5-6 Américains dans le bordel. Alpha, on est dedans. Bravo, on est dedans. Parce que les gens dedans ne me font pas peur, mais les Américains. Ils ont gros. Ah. Ouais. Et il vient, c'est parfait. Ok, contact fort gauche, ouest, ça tire sur l'ouest. Le chef est à terre. Le chef est à terre. Laissez les chefs. Balance des greux s'il faut. On a plein de grenades. Attendez, il y a des civils. Oh putain, faut c'est qu'on part de là, faut qu'on s'échappe, on a la tête mise à nos têtes mises à prix. J'ai pas envie d'en jeter un zéro sur notre avis de recherche. Bon, on s'en branle, de toute façon on est presque mort là. Tu veux pas faire quelque chose, nous positionner ou je sais pas. Bah rien. Je sais même pas où me déplacer, putain de crevasse ici, putain. T'es tout seul, mets-toi couvert. Wow. Sweden, descend. Je suis blessé, moi. Attendez, j'essaie de trouver une solution. Ils sont très proches. Descendez les blessés, descendez. Là, je monte sur le rocher quand même. Descendez les blessés. Ouais, les blessés, il faut qu'ils descendent. Descendez, virgule, les blessés. Voilà. Ouais. Ouais, il y a l'hôtel à notre ouest avec peut-être des mecs dedans. C'est, ça venait de l'intérieur, le tir en tout cas. Ok, il y a peut-être aussi un mec à droite de l'hôtel pour l'instant. Ok, Patapouf, tu vas nous ouvrir sur la gauche. Sur l'ouest, tu suis la lisière sur la gauche.
Sur la gauche. J'ai le rocher, sur la gauche. Là où il y a un coup ? Non, 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 de l'autre côté. Bon, je suis pas clair. Je vais pas clair devant, je suis pas clair. Écho vocal nord-est. Écho vocal nord-est. Je suis. Peut-être s'arrêter. On a pas de Covid ? On serait bien une greu là-bas. J'étais sûr pour la grenade. Il a dit go. Il a dit go. On y va. Aldrid, ça va toi ? Ça t'a stabilisé ? On y va, c'est parfait. Il y a un camion de foule là-haut, je crois, non ? Ouais. Il y a ouais. Un homme avec des semelles en cuir là, mais je. Repas sauté, on pénètre dans le bâtiment. Attends. Principal, coordonnées 124, 142, pause 1, on pénètre. Rouge, il est armé, passez, il est armé. Rouge, passez la porte ici, vous pénétrez dans Grenade. Le bâtiment, vous sécurisez. Je crois pas l'avoir tué, il est derrière l'escalier. Ok, j'ouvre. Ah bah c'est bon, il y a un mec derrière la porte. Derrière l'escalier, derrière la porte. Tu ouvres la porte, il y a un escalier, et derrière l'escalier, il y a un mec. Ah oui, ok. Okay. C'est bon, tombez. Rouge, pénétrer. J'envoie à droite. Vas-y, attends, à quoi, parfois tout seul. Je passe. Et bleu avec moi, rouge, vous pénétrez sur le côté droit. Okay. De bravo, attention. Attends, je fais l'angle. Il y a un gendarme mort derrière. Le couloir a l'air nettoyé. Ok. Passe à droite. Putain, les portes sont fermées. J'avais sauf qu'on est là. Les portes sont fermées. Je préfère prévenir une deuxième fois. Les portes sont fermées. Rouge, occupez-vous de l'étage secondaire. T'es avec moi, Sparfel ? Ah ouais. Patin, tu te postes sur la porte à l'est et tu couvres sur l'est. Porte fermée. Les portes sont fermées. RAS à l'étage, porte fermée. Allez. Hein. Essayez d'avoir une bonne position à l'étage, sinon redescendez au rez-de-chaussée. Quel secteur ? Est. Oui. Bon, on va redescendre, je crois. Pour. Oui. Ok, tu me recevais pas ? Non, on est sur le canal 2. Ah, d'accord. Oui, comment on peut communiquer avec le commandant ? 117. Sur la. Ah, mais le chef n'avait pas de 117. D'accord. Non, bah alors j'ai peut-être mal vu, je vais voir. Ouais, je sais. Chef, on a repéré un camion de ravitaillement. Central permission de progresser sur l'est pour nettoyer le dernier bâtiment en principe. C'est lequel le coup ? C'est ça le corps de mer ? Ouais. Il avait pas de 117. Le d'Alpha est mort. On a un de ses effectifs tente de récupérer la radio sur sac. Afin de. Ah si, il a. Non, c'est moi qui suis bigleux. Terminé. J'arrive à voir le mec qui va droit. Tous sortez du bâtiment. Rejoignez façade est extérieure. D'accord. Ok, ici Oli Pro de l'escouade Alpha. Je prends le commandement de l'escouade Alpha. Ok, je passe devant. Go, on suit bleu, rouge suit. Il y a encore un véhicule, il y a deux véhicules. Position. On est à l'est de l'hôtel, on est garde en visu, un gros hangar à l'est de l'hôtel avec véhicule à l'intérieur. On passe devant vos lignes de feu. Allez-y. A priori, on est déjà avec Bravo, on va les suivre sur ce point. Oli, tu veux que je passe à gauche ? Ouais, allez-y, prenez la gauche. Ouais, allez-y, bougez. Pas les mêmes, je pense. Ah, ça fait courir ! À terre. Ah, il s'est traversé. Ça vient de l'intérieur. Ok, touchez au véhicule pour vous couvrir. Ok. Ou peut-être à droite des garages. Pas exactement, mais. Non, je croyais que ça venait. Non, là. Ça venait du balcon, là, de la terrasse. Sur la gauche. Vous l'avez eu ? Ouais. Ah ouais ? Il n'y a rien dans le garage, à part un véhicule civil. Sur la gauche. Go, on pénètre sur le côté droit du bâtiment. On est en binôme. Ah putain, sérieux. Le mec il est bloqué par une corde. De l'autre côté. Ah t'es complètement blessé. Avec toi. Rouge pénétré. Ok, rouge, vous mettez au niveau de la porte centrale. À coup avec Sparfel. Bleu avec moi. Tu ouvres et puis je clear.
J'ai pas avec. De l'autre côté, la porte principale, côté terrasse à coup. Ok, excuse-moi. À 3, on ouvre les portes à 2. Tu ouvres, Sparfan ? Ouais. 3, 2, 1, on ouvre. Ouais, ok. C'est que... Ah, bah, donc, c'est la pièce. À droite, à droite. Ici, c'est très bien pour faire ce niveau. Ok. Raphaël, Charlie ? Ouais. Je vais rejoindre. J'ai rien, mais je vais rejoindre. Ouvrir. Et on ouvre pas, on peut pas ouvrir. C'est fermé. Ok. T'es prêt ? 3, 2, 1. Ah. C'est celle qui est derrière toi. Putain de merde. Ce jeu. Quel bâtiment est clair ? De votre côté, bleu, rouge ? Je peux rien ouvrir derrière. Bravo pour leader. Leader, pardon. Carton médic, dernier bâtiment principal sur l'est, sécurité. Ok, c'est bien. Donc, je fais le tour quand même. Ouais, j'ai bravo, pardon. Rouge. Vérifiez les périmètres. Petite dépendance derrière. Je pense qu'on peut rentrer dedans. Ouais, j'ouvre. T'es prêt? Non. Et vas-y. Ça va être sur la gauche. Donc prépare-toi à partir. Je vois rien. Ah mais ils sont déjà rentrés là-dedans. Ouais, c'est bon. Tu prendras le véhicule et on l'escortera avec la armée sur la gauche. D'accord. Les rouges qui font un périmètre, j'attends leur. Safe. Apparemment non. Ok, rouge clear. C'est clear, on peut partir quand on veut. Pour notre groupe. Et rouge, vous vous occupez du camion citerne. Ok. Oui. Tu conduis ou je conduis ? Et vous suivrez le Jeep armé. Conduis, conduis. On prendra un véhicule. Bravo, tu peux charger. Ah putain, allez, vas-y. Route. Oh ! Ah, oh putain, je suis mort dans un bug de collision. Oh merde. Oh putain. À coup ? Ah, t'as bugué de collision, oui. Regarde, je voulais rentrer dans putain. Le camion citerne par la droite et j'ai bugué. Ah, vient de mourir. Oh. Okay. J'ai bugué une corde, il y a une corde qui est sur la corde jugulaire. Salut. Bon. Je vais prendre son équipement de anti-tank. C'est pas beau, Polito. Putain, fait chier. En plus, j'étais content, j'avais préparé ma manette, j'allais conduire. D'accord.